Ça va, Sam? On est en départ, le dinghy est sur le pont, les enfants sont en train de le nettoyer. On part de la Martinique. Après un mois. On a 35 heures à faire pour arriver à Sainte-Lucie. Non, 35 000 nautiques. 35 000 nautiques, c'est ça que je disais, excusez. Puis après ça, on fait un petit dodo là, puis on repart pour Saint-Vincent. Un autre 60 000 nautiques pour arriver là-bas après. Donc, on part! Alors, Sainte-Lucie, la nuit. Finalement, on a décidé de passer par Sainte-Lucie en se rendant à Saint-Vincent, mais on ne s'arrête pas, on continue. Fort du Vernette. Une belle vue. Et plein d'énormes canons. Non, un tout petit. Il y avait des flèches pour savoir dans quel sens ça sortait. On voit une bonne partie de l'île de Saint-Vincent. On voit le Torrieux en bas. Toute la Blue Lagoon Bay. Peux-tu le prendre, toi? Merci. Puis, c'est quoi ce maïmaï là? Non, il est full là. C'est quoi ce maïmaï là? Ben, c'est un maïmaï qu'on va manger. I guess the rock and roll! Rock and roll! On s'en va au nord de l'île là-bas. Et on a une vitesse de 7.71. Sur le Torrieux! Trop content d'être là! Papa, il se rend. Fait que là, on est samedi, puis on va faire notre première traversée, ben tout de suite! Et c'est parti! On navigue! Tu vas tenir face au vent? On va ouvrir les voiles! On
on va passer au sud de bord. Vous bougez, vous pouvez plus bouger, vous êtes filmé. Fait qu'on voit pas super bien le fond, mais plein de tortues, des poissons globes. Vu qu'il y a beaucoup d'oiseaux et d'iguanes, on va prendre ça pour au cas où il y en a un qui m'attaque. Là-bas, ils ont filmé Pirates des Caraïbes, une scène des Pirates des Caraïbes. Il n'y a même pas de tout. Toi, tu nourris quoi, là? Non, pas toi! Les poissons globes? Hey, salut, chum! C'est les diodons, père. Les diodons, excusez. Thank you.
Bonjour. Tu l'as dit toi-même que t'aimes pas ça pêcher, Violette? Ben, ça va, mémé? Je suis stressée. Ça vient ça, comme une pro. Ah ouais. Ça fait ça toute ta vie. Vague, la vie est belle. Quoi, Vio? Dans le centre, le truc qui tourne en arrière, il est dans le centre. Ben, t'es-tu capable d'aller la déprendre? Ah. Arthur va y aller avec ses gros fans. Arthur le courageux. Tchou, tchou. Salut, mademoiselle. Là, tu rebords et tu me remontes. Ça fait. Ah, comment ça fait mal? La confiance, ça marche pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici, là? Fallait venir essayer ça. Donc ce matin, on est parti de où donc? Méro. Dernière navigation, on remonte au nord vers Saint-Vincent. Où on va éventuellement prendre l'avion pour rentrer au Québec. Et tu as Ouais.
plein de sentiments mitigés. J'ai plein de sentiments. On a hâte, puis en même temps, on est triste. Ouais. Tu profites de sa dernière pêche. Départ du torieux, on a tout vidé, nos sacs sont faits. David a sorti ça et on part pour l'aéroport. C'est une page pour nous qui tourne. On est super heureux, mais triste en même temps. Bye bye, le torieux! Bye bye, le torieux! En fait, après ça, on prend jusqu'à Burlington. Après ça, on prend un taxi de Burlington aux douanes. On traverse les douanes à pied. Puis quelqu'un vient nous chercher de l'autre bord des douanes. Quelqu'un étant mes parents. Puis on passe au McDo. On passe au McDo pour manger. On verra. C'est dit. Donc, on a une tonne de bagages. Et on a ce petit VUS. Est-ce que ça va rentrer? À suivre. J'ai fait des peintures toi, que je vais vous montrer. Donc j'ai fait avec du café, puis du thé, puis un peu d'ananas. Donc il y a attends. You'll never guess what just happened. You went out in the hallway, stumbled into an interdimensional portal which brought you 5,000 years into the future, where you took advantage of the advanced technology to build a time machine, and now you're back to bring us all with you to the year 1710, where we are transported to work in the Thinkatorium by telepathically controlled flying dolphins. Café, mais pas avec grand café.